Double cérémonie ce mercredi 18 janvier 2023 à la Petite Barrière. Il s'agit de l'inauguration officielle des miradors le long de lignes frontalières entre la RDC et le Rwanda et la modernisation de l'axe routier rond-point Rutshuru-Petite Barrière dénommé avenue Rumangabo. La cérémonie a été présidée par le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu. Il s'agit de 26 miradors, ces tours de garde construites en cette période pendant laquelle la RDC est victime d'une agression par le Rwanda sous le label du M23. Des 4 postes de police et 4 blocs de toilettes ainsi que la modernisation de l'axe routier rond-point Rutshuru, Petite Barrière, construit en pavé sur financement propre du gouvernement provincial du Nord Kivu. Chose saluée par le lieutenant général Constant Dima, qui a appelé les utilisateurs à les maintenir dans un état optimal avec l'appui de la population. Je suis d'autant plus heureux que ces projets futurants s'inscrivent parfaitement dans la vision de son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, celle de moderniser notre outil de défense afin de le hisser à la hauteur de la complexité croissante des menaces sécuritaires. Le gouverneur a demandé aux autorités locales de veiller quotidiennement à ces ouvrages et surtout que cette avenue n'en redevienne une poubelle à cause de marchés pirates. Il faut dire que les travaux ont été exécutés par 2 entreprises sélectionnées, à savoir Net et Biscar SARL, qui ont travaillé durant 10 mois pour parvenir à cette modernisation. Leur souhait est de voir le projet s'étendre vers d'autres villes frontalières pour la conservation des nos limites. Peu après, le gouverneur militaire a procédé à la coupure des rubans symboliques, question de raviver le sentiment patriotique qui doit caractériser chacun de nous et travailler au développement du pays pour qu'il devienne meilleur. C'est par une visite de Mirador que la cérémonie a été bouclée avec l'autorisation officielle de la mise en service de ces ouvrages. Créer des sites web professionnels, c'est notre art. L'agence Immortal Making est à votre service pour la conception, le développement et la mise en ligne de tout type de sites web. Et en plus, c'est à bon prix. Qu'il s'agisse d'un site web de vente, un site web pour votre entreprise, votre ONG ou un site d'information, nous sommes l'agence qu'il vous faut. Nous sommes basés à Kinshasa sur l'avenue Kanda Kanda numéro 11, loin de la place Victoire, référence entre les avenues Kasavubu et Éthiopie. Pour tout contact, appelez-nous au +543 81 62 144 62. +543 81 62 144 62.